La tradition a été respectée à l'école primaire Ghislain Aristide Okemba-Nzonga d'Ondebe, à environ 10 km de Yo, dans le département de la Cuvette, ce lundi 11 mars 2024, avec la tenue de sa 11e journée culturelle. La cérémonie a été rehaussée de la présence de plusieurs invités de marque, à l'instar du premier ministre chef du gouvernement Anatole Coligny-Makosso, du ministre conseiller spécial du chef de l'État, l'amiral Jean-Dominique Okemba, président d'honneur de la fondation Ghislain Aristide Okemba-Nzonga et de quelques membres du gouvernement. Souhaitant la bienvenue à l'auditoire, le président du conseil municipal, maire d'Oyo, Gaston Yoka, a rappelé la circonstance de la création de cette école. Pour honorer la mémoire de l'illustre disparu, Jeanne Ibovi, inspectrice de la circonscription scolaire d'Oyo, représentant le DEDEPSA, invite les élèves ainsi que les enseignants à un travail assidu, acharné et efficace. C'est un message que l'on transmet à la nouvelle génération, précise François Nguimbi, secrétaire exécutif de la Fondation GAOD, qui insiste sur les valeurs de réussite et de mérite. L'éducation moderne devient un moteur pour l'employabilité des jeunes. Sans une formation de qualité, sans des écoles de qualité, nous ne pouvons avoir des jeunes de qualité pour espérer les emmener au monde de l'emploi. C'est pour ça que ici, dès l'école primaire, nous travaillons pour que nos enfants soient parmi les meilleurs. Sinon, nous avons la prétention, d'ailleurs grossière nous-mêmes, de dire que nous travaillons pour que nos enfants soient les meilleurs. Émerveillé par les présentations scéniques des élèves, Anatole Coligny-Makosso, premier ministre chef du gouvernement, n'a pas manqué de faire un petit rappel sur les cours pédagogiques. Ces leçons d'essai permettent de mettre en relief les aspects pédagogiques de l'enseignement. Mais je n'aurais pas aimé, cher maître, que vous puissiez, dès l'entame de la leçon, dicter aux élèves le titre de la leçon. Une entrée en situation, par exemple avec ce qui s'est passé, ou la séance de questions-réponses, vous aurez permis de faire découvrir la leçon par les élèves eux-mêmes. Or, quand vous êtes arrivés, vous avez dit, nous allons étudier l'aide. Alors que votre question qui a consisté à savoir quelles sont les valeurs au sein d'une société, vous aurez permis d'écouter le mot aide des élèves eux-mêmes puisqu'ils l'ont fait. Mais ce n'est qu'une approche. Cette journée culturelle s'organise les 11 mars de chaque année en hommage à celui pour qui l'école porte le nom, décédé le 11 mars, vise la vulgarisation des programmes scolaires. Rappelons que cette école primaire Ghislain Aristide Okemba-Nzonga d'Ondebe a été créée en 2013.